Bonjour à toutes et bonjour à tous. Salut à tous et salut à toutes. Ouais, toi, t'es plutôt misogyne quand même. Il commence toujours par les garçons, je sais pas pourquoi. Ouais. Style, quoi. Ouais. Un petit peu rebelle ? Un peu rebelle. Ok. Alors, nous sommes toujours à Los Angeles. Il est mardi matin. Un petit peu de bonheur pour nous, là, quand même. Ça pique un peu les yeux. Toute cette nuit, de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez pu apprécier les conférences. Et là, nous attendons, puisque nous avons pu commencer déjà cette nuit pour vous. À jouer et à un jeux. Peu pour nous aussi, d'ailleurs, dans la nuit, à jouer à certains titres. Alors, il y a eu Sunset Overdrive, Forza Horizon 2 et Fable Legends. Et c'est sur Fable que nous allons nous arrêter parce que Fable, c'est vrai qu'il apparemment, j'allais dire qu'il est peut-être un petit peu décevant en fait. Ouais, très décevant. Enfin, disons que Leonid a pas mal de boulot parce que de ce que j'ai joué, donc en gros c'était la même chose que ce qu'ils ont montré pendant la conférence. Mmh. Donc du multijoueur coopératif à 4 sur une espèce d'arène où il y a des monstres, enfin des vagues de monstres qui arrivent. Donc apparemment ça sera scénarisé dans le jeu final. Donc personnellement, j'ai pas pu aller assez loin pour voir jusqu'à quel point c'était scénarisé. Mais chaque héros, parce qu'il y aura 4 personnages différents, est là dans un but précis. Donc, ils ont chacun leur motivation. Donc, pour revenir à ces 4 personnages, forcément, ils ont chacun leur spécificité. Globalement, t'as un mec qui a un fusil pour tirer à distance. Ça, j'aime bien. T'as un tank, enfin, c'est une meuf, t'as un tank qui a un bouclier pour se protéger. T'as un guerrier de base qui a des un attaques, bourrin. Un bourrin. Et t'as une meuf, son attaque de base c'est de glacer. Donc elle glace, mais elle peut pas, c'est pas létal en fait. Faut que quelqu'un derrière. Ça en fait c'est pour ce qu'on reprochait hier sur un autre jeu. Ouais, c'est du team play. C'est du team play. C'est du team play, voilà. L'envie de jouer ensemble et du coopératif voilà. À fond. Donc chaque personnage a une attaque de base plus deux attaques. Des attaques secondaires. Mmh. Ça varie. Moi, par exemple, j'avais pris l'artilleur. J'ai une attaque secondaire qui permettait de ressusciter instantanément et ma vie baissait jusqu'à ce que je meure. Mais ça me permet d'avoir une seconde chance et d'être encore de pouvoir aider les copains. Et après, t'as un tir qui s'enflamme, par exemple. D'accord. Donc, ça permet de varier un peu les plaisirs, mais c'est assez classique. Graphiquement, c'est pas tip top. Bon, ça, on avait pu le voir hier. Enfin, je pense que on a pu voir hier que c'était pas le plus beau jeu de la One. En même temps, comme je l'ai dit hier, est-ce que vraiment c'est important si le gameplay est fun, si le jeu est délire ? Bon, après, après c'est du multi, donc voilà. C'est toujours un peu moins beau quand c'est multijoueur. Mais le vrai problème, c'est le gameplay. Bon, ça joue, hein, y a pas de gros défauts, mais je sais pas, ça manque de, c'est un peu mou, les vagues d'ennemis t'arrivent, tu sais pas trop, c'est un peu bordélique. Le team play, c'est pas super évident. Et en fait, il y a un mode pour. En fait, c'est du 4 contre 1 parce que t'as un mec qui est à côté qui joue les méchants en fait. D'accord. Et j'ai pas eu la chance d'y jouer, mais j'ai pu regarder un peu comment ça marche. En fait, c'est un mode commandant, tout bêtement. Donc tu pop-up les ennemis, tu les fais attaquer, tu lèves des barrières pour un peu mettre des obstacles dans les autres joueurs. Mais enfin. De ce que j'en ai vu, c'est toujours. Enfin, le problème des modes commandeurs, c'est que ça a l'air super bien parce que tu joues un peu Dieu, mais en fait, tu t'ennuies parce que t'es pas au cœur de l'action. Donc, tu vois, t'as pas de vrai impact sur la partie. Disons qu'à ce jour, pour l'instant, tu es un peu sceptique sur le côté vraiment fun du jeu. Ça manque de fun, ça manque de. Je sais pas, ça manque d'un truc quoi. Les ennemis sont basiques, c'est des gobelins. T'es en mode, ça manque un peu en ce moment. Ouais, ça manque un peu. ça manque un peu. Bon, voilà, en tout cas, bon. Fable Legends, donc. Ouais, après, il y a des bonnes idées. Hein, les bonnes idées, elles sont dans les compétences des personnages qui s'associent. Fin. Mais après, c'est pareil, il faut trouver 3 potes. On répète, donc je disais, pour l'instant ça reste de toute façon une version. Ouais. Oui, ça sort en 2015, donc ils ont largement le temps de peaufiner. C'est juste une pré-version. Ouais. C'est toujours délicat d'ailleurs pour un constructeur, pour un éditeur de montrer un jeu avant parce que justement il y a les critiques qui arrivent. Cela dit, si les critiques arrivent, ça permet justement de dire ce qui ne va pas et d'envisager des changements radicaux qui permettent d'évoluer. On ne va pas dire Drive Club par exemple, qui a pris un an de retard, mais forcément c'est pour apporter quelque chose de plus. Donc, c'est vrai que c'est toujours, vous allez nous dire qu'on est peut-être un peu méchant, on est un petit peu taquin, mais quelque part, si on ne dit pas les choses, elles ne peuvent pas être corrigées. Donc, tu t'es bien amusé quand même un petit peu quand même. Pas du tout, hein. C'était vraiment un calvaire. Bon, quoi. On aura essayé. Hein. Bon là, j'en vais, je sens qu'on va avoir des problèmes. On vous aime quand même. Hein. Salut, au revoir Microsoft.